J'arrive rejoindre Jérémien pour l'aider à se venger. T'es parti pour la vengeance de sa méga grosse truite ratée. Avec Georges. La grosse truite a qu'à bien se tenir. Il est là, il est frais, il est beau, prêt pour sa revanche. Vous l'avez demandé dans les commentaires, c'est parti. On arrive sur les lieux du crime. On commence tout de suite par le spot où j'ai loupé le beau poisson. On va voir. On va y aller discretos. Discrétion. Discrétion. Pêcher creux. Le pêché creux. Oula, ça a baissé, regarde. Oh ah, ça a bien baissé. Hein. Bon bah les gars. Elle est plus là. Elle est plus là. C'est qui l'a pêché parmi vous? Dites-nous dans les commentaires qui c'est qui est venu la pêcher. Allez la laisser à Jérémien, c'était sa vengeance. La revanche, faudra la reporter. C'est intéressant de voir que j'ai l'impression que la configuration a beaucoup changé depuis une semaine, même pas. J'ai l'impression qu'il va falloir pêcher peut-être autrement. Poisson! Yes, je peux aller la chercher au pied du courant, ah, en fait. Elles sont là où il y a de l'eau qui vient, quoi. Jolie petite truite, il fallait aller la chercher. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est là où j'ai pété le day insight et je viens de prendre la truite à la sortie du courant. Là. Georges a mis quelques coups de leurre derrière l'arbre. Apparemment, ça n'a rien donné, donc je sais pas si je vais m'aventurer à péter un deuxième leurre. Il y a un alligator là-dedans, les gars. Un crocodile, un croco. Oh putain. Bon allez, on va arrêter les bêtises. Qui dit goujon dit. Il est goujon, il est goujonnette. Ouais. Il y avait un petit poisson là. Oh poisson. Oh putain de merde. C'est dommage. Elle était belle. Mais moi sur la petite canne, ça me prend au cœur. Elle était jolie hein. Ouais. Très beau poisson. Il peut y avoir des surprises. Hein. Il peut y avoir des surprises, mais... Tu l'as dit, hein, c'était... Sortie de courant. Non, mais on le voit bien, elles sont là où il y a de l'oxygène. Oh les mains. Ouais. Oh là 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 là, c'était beau. Elle est sortie. Bon, elle va revenir, elle l'a pas... Elle l'a pas pris. Hein. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. Yes. Oh. Mais à mon avis, c'est pas elle qui a attaqué. Je pense qu'il y en a une autre. Attends dans l'eau. Voilà, oh. C'était plutôt ça pour moi le reflet. Ils sont pas beaux nos assistouks, ça pouvait pas se décrocher. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça dépend de comment les truites, elles prennent ton leurre, quoi. On n'a pas trouvé ta... C'était difficile, c'était un peu différent, mais on a fait quelques poissons. On a fait quelques petits poissons, moi qui n'étaient pas gros. Hein. Ouais, mais j'en loupe un joli, mais j'étais pas concentré, ouais. J'étais pas préparé à la touche. C'était pas inside. Et moi, ce que je propose aux abonnés, c'est que je revienne pour une revanche numéro 3. Sweet. Sweet très bientôt. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez une revanche numéro 3. En tout cas, pêche difficile, fallait s'adapter. Il y a beaucoup moins d'eau. Il y avait beaucoup moins d'eau que la dernière fois. Beaucoup moins d'eau. Ça a rendu difficile la pêche. Mais voilà. Donc on vous dit à la prochaine. A plus les gars. Et les filles. Oh les mains.